Cedro, voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el bar se dan arena, como se cundía el jibé, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paja que yo no quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Amigo, pida otra copa, caramba.
que este cantor le convida, que aunque a ustedes no le importa, voy a hacerles la historia de mi vida. Amé mucho a una mujer, de mi alma la más querida. Me traicionó la perdida, caramba, qué ingrata y mal proceder. Ella me hizo beber, ella me hizo un perdido. A la droga me tiré, amigo mío, y a la cárcel fui llevado. Los amigos me olvidaron, solo mi madre lloraba. A Dios pedía y rogaba que se salvara su hijo. Recuerden lo que les digo, que en la prisión, en la cama, solo nuestra madre nos ama, caramba. No hay dinero, no hay amigos. Linda Guajira, mi son te llama. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Me llenan de regocijo,
Es cuando me dicen hijo, es cuando digo mamá. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. La madre es un surtidor de miel que nunca se cierra. Es un astro en la tierra, brilla mucho más que el sol. Guajira, el sol te llama a bailar, a gozar. No le teme a la negrura del vicio y todo su espanto. Pienso en mi madre y su encanto me cubre con su ternura. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirá, te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirá, te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Con
sus canciones que muy sentida y muy guajina alegre cantó. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Yo trabajo sin reposo para poderme casar. Y si yo le voy a lograr, sería un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Yeah.
mira, no me llores más. No me llores, no me llores más. Cosita rica, mira que me vas a matar. No me llores, no me llores más. Mi amor, mamá.
tarde la guite se renace en las sombras, en la que tú los cafetales vuelven a sentir de la triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece decir. Pasa la noche en la zambona, mira yo te canto este son, guajira, salsa y todo, bebé. Thank you.
Là, c'est mieux. Tu m'entends? Attends, mais c'est bizarre ça. Du coup, c'est mieux, c'est toujours pareil. Ah, je vois. En fait, c'est pour ça que l'autre s'est barré en fait. Parce qu'il m'avait pas entendu. Alors, sinon, quoi de beau, Dan? Enfin, Dada. Tu as attendu que je revienne? Comment ça? Ah, tu parles du vocal de d'hier? C'est ton surnom de Facebook. Lol, ouais, pas de soucis. Pas de soucis, Danny. Alors, heureux. Exactement, c'est une nouvelle version, en version un petit peu plus kawaii. Là, c'est vraiment un petit test. Elle va zigouiller de du monstre. Mmh.
Ah. Avec des taches de rousseur. Mais elle est brune, elle n'est point rousse, mais bon, pourquoi pas. On tentera. Là, je me suis un peu inspiré de la fiancée de Chucky. Oui, je sais. Il y en avait plein de potes à moi qui avaient des taches de rousseur, alors qu'ils étaient bruns. Du coup, sa robe sera en rose. Et ouais, c'est ça. Eh bien, parce que on va dire que sur Twitch, il y a tellement de streamers, en plus ça lag de ouf. Du coup, je préférerais tâter un peu le terrain de YouTube, tu vois, pour les streams. Ah bah ça c'est sûr que je vais lui faire des collants. Du coup je vais apporter une trame. Mais d'abord, je rajoute les aplats avant.
Oui, salut Cédric. Normalement, oui, j'en ferai d'autres lives. Ah, si tu parles du dessin, oui, j'en ferai encore d'autres personnages aussi. Ouais, pas de souci. Enfin, je verrai. Alors, ouais, bah la prochaine fois on fera ça. Pas de soucis. Ah, ok, pas de soucis, bonne app, Danny. Non, mais de rien. BG.
Bof, non. Alors. Alors, quel collant on va bien pouvoir lui mettre? Ok. Alors déjà faut que je trouve un joli PNG de collant déjà. Ok, à toute.
Oui, je vais faire le décor après là. Et sinon, Cédric, quoi de neuf? Depuis un bon petit moment déjà. Donc on va retoucher. Alors. Ah, pas mal ça, Cédric. C'est cool. Tu me diras comment ça s'est passé. Et re-Dani. Ouais. C'est vrai qu'elle a une tête à s'appeler Chloé, en effet. Alors,
MDR Dani. Ouais, pourquoi pas. Un peu d'os coincé dans la tronçonneuse. Faut voir. Voilà. On va dire que c'est bon là. Passons à un autre personnage. Ok, c'est ce que désire le peuple. Emma, comment ça? Qu'est-ce qu'Emma ferait avec une tronçonneuse? Franchement. Elle est bien trop gentille pour ça. Non, voilà. Ah ouais, en effet. À cause de moi, comment ça? Bon bah on va lui rajouter des taches de rousseur. Plus foncé les taches de rousseur. Maintenant plus clair les taches de rousseur. Voilà, là c'est parfait.
Sérieux? T'es devenu fan maintenant? C'est nice. En vrai, moi j'ai tellement écouté tant jeune que. Que voilà quoi, je m'en lasse un peu maintenant. Mais sinon, c'est vrai que la chanson elle est pas mal quand même. Et voilà. Du coup, passons au deuxième personnage qui sera, je vous spoil, un clown. Un clown avec un samouraï. Enfin, un sabre. Voilà, tout simplement. Ah, tiens, bah attends, on va dessiner le premier monstre du coup. Celui qui accompagnera l'ennemi de cette princesse. Bon, je vais changer de musique. Non, c'est bon, on va laisser comme ça. Alors, dessiner Kawi. Attends. Je me rappelle plus comment il est. Mais si je le fais en mode terrifiant. Ah non, là je fais sur Clip Studio. Ouais, envoie-moi un screen. Du coup, là, j'y pense, il faudra coloriser le monstre.
Merci Dani. Je l'ai bien reçu. Bien sûr, là vous comprenez rien vu que là je fais le petit croquis vite fait. Ok, pas de souci. Déjà, je l'imagine avec des grands yeux noirs. Heureusement que j'ai mis que les lives que je fais, c'est pas conçu pour les enfants. Hein. Sinon, ça fait longtemps que je me serais fait strike. Lol, et ouais.
Le papa de cœur. Et ouais. Oh, en vrai, pourquoi pas? Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est plus les deux. Alors. Oui, t'inquiète. Ne t'en fais pas, Dany, voyons. Je vais changer de musique, ça commence à me saouler.
De quoi? Ah ouais, vas-y. Vas-y, vas-y.
caméléon, comment ça? Fais attention de pas de me faire strike. Pourquoi tu dis ça tout à coup? Tu me fais peur. Voilà, là ça va encore, ça c'est pas. Ce n'est pas si gore que ça. S'adapte trop selon les gens. Ah ouais, peut-être. Qui sait? T'es un petit caméléon. Ah, pourquoi? Pourquoi je me ferais strike avec la musique que tu m'as envoyée? Ah, pour les droits d'auteur, j'imagine. Chaud. De toute façon, j'enregistre pas les vidéos, du coup, ça va. Je pense que sur les gens, je m'adapte. Ah, je comprends. Bah, en vrai, c'est une bonne façon de faire, je trouve. Après, j'imagine qu'il y a des gens qui s'adaptent et des gens qui, avec qui on doit vivre. Avec et qui eux ne s'adaptent pas. Du coup, moi je préfère les gens qui s'adaptent perso. Parce que moi aussi je m'adapte. Après tout n'est que ritournelle, j'imagine. Je vais prendre une petite pause, je reprends ce soir du coup.
À toutes. Des bisous.